Bon, du coup, je n'ai quoi là, le pouvoir tampon, tu as une solution tampon. Pouvoir tampon, symbolisé bêta, pouvoir tampon. Bon, par définition, un pouvoir tampon, ou quantité d'acide fort. Une grosse quantité d'acide fort, tu as H3 plus. Quantité, un nombre de moles, N. D'acide fort ou quantité définie quantité d'acide fort ou l'indéfinie quantité de base forte, goule OH moins. Ajouter, c'est la quantité d'acide fort ou base forte ajoutée à un litre d'une solution tampon. La solution tampon, Goulofiha NH4+, le couple NH4+, NH3. Le pKa égale 9,2. Bon, on suppose que la concentration telle NH4+, égale NH3. Je maintiens. pH est donné par pKa plus log la base sur l'acide. La base sur l'acide égale à 1. Maintenant, log de 1, c'est 0. Maintenant, le pH de la solution est 9,2 ou pKa. OK? Bon, ben, c'est là, parce que d'un mec, NH4+, égale NH3. Maintenant, le pouvoir tampon, par définition, voilà la quantité d'acide fort ou base forte ajoutée à une solution tampon pour faire varier le pH d'une unité. Maintenant, quand on dit la base forte, quelle est la quantité nécessaire de OH- pour faire varier le pH d'une unité? Maintenant, chaque base forte, le pH varie une unité. Je mets une unité. 9,2, roh, 15 de base, le pH augmente. pH, où il est 10,2. Ou la quantité d'acide fort ajoutée à 1 litre de solution tampon pour faire varier le pH d'une unité. Parce que l'acide fort, pH diminue. Unité wahda. pH, où il est égal 8,2. Je mets un pKa. Moins 1, pKa plus 1. Maintenant, quelle est la quantité nécessaire pour nous sortir de la zone tampon? Faire le sens ou la faire le sens? Le côté basique ou le côté acide? Ok? Je vais exprimer le pouvoir tampon, bêta. Quelle est la quantité d'acide? Quantité d'acide, refait 1 litre, maintenant N. La valeur de N sur un volume total de la solution, c'est 1 litre. Maintenant, je vais exprimer directement la concentration. Goal. Ou DC acide fort, la quantité d'acide fort ajoutée, c'est une différence, ok, sur DPH. Quantité d'acide fort ajoutée à une solution tampon pour faire varier le pH d'une unité, ok. Quand exprimé en fonction de DCB, quantité d'une base forte ajoutée à une solution tampon pour faire varier le pH d'une unité, ok. Maintenant, je vais exprimer hack ou la base ou la blacide. Mais le problème, là, fait DPH. DPH, c'est la différence. pH final moins pH initial. pH final 8,2, initial 9,2. Maintenant, la différence, elle est négative. On a quoi la quantité, c'est qu'on positif. Maintenant, le cas, d'ajouter un acide fort, on dit moins. On dit moins pour annuler le signe négatif, les gemmes de pH 8,2 moins 9,2, toujours pH final moins pH initial. pH, on a pH final moins pH initial, mais on a un problème. Plus 1, on a gina moins 1. Maintenant, gina moins 1, mal moins tous les plus. Maintenant, je fais la quantité pour faire varier le pH d'une unité. 1, ok? Trojina la quantité en mol par litre. On a une dimension. Maintenant, trojina la quantité en mol par litre, l'acide fort ajouté à la solution tampon pour faire varier le pH d'une unité. Ok, on a la même chose. Je vais faire une base forte pour faire varier le pH d'une unité. pH final moins pH initial égale à 1. Maintenant, DCB, trop gelé en mol par litre. Maintenant, le pouvoir tampon exprimé en mol par litre. Mol, maintenant, je vais faire une mol d'acide fort ou la base forte pour faire varier le pH d'une unité. Donc, quelle est la relation entre le pouvoir tampon? Mais pour calculer le pouvoir tampon, on va utiliser les deux expressions dérivées de DCA par rapport au pH ou la DCP par rapport au pH. On va exprimer
le pouvoir tampon en fonction soit en fonction de x ou là en fonction de h3 plus. Maintenant, qui n'est que pouvoir tampon bêta, ni je me connais exprimé soit en fonction bêta exprimé en fonction de x, donc n'est que comme elle a le x, ou en fonction de h3 ou plus. X, double x, x, c'est une fraction. Qui fait fraction? Hna, adna, une solution tampon via AH ou A- deux concentrations. Qui m'a le NH4 plus NH3. La somme, Ngoulou, la somme, t'as les deux concentrations, c'est mis à C0. C'est NH4 plus, plus NH3. Ok? Ada C0. Le X, c'est une fraction. Soit, dire AH sur C0, maintenant sur la somme, A moins AH elle a la somme, ou la A moins elle a la somme, ou un des le choix. X, il y a A moins sur C0. On va faire ça ou la bhadi, kif. Ok? Maintenant, je vais vous dire. Ça, on va dire ça, on va faire la possibilité. AH, fois X, fois C0. Il y a le A moins. انجكتي هنايا هذه راح انجكتيها انجكتيها في سي 0 هي اه بلس ا موان انجكتيها هنايا هذه انجكتيها وين راح انجكتيها هنا يخرج لي ال ا موان هنا اكس سي 0 جيب اكس سي 0 تخرج لي سي 0 ا موان اكس. Ok. Maintenant, je vais exprimer AH en fonction de X. Ou X, c'est un rap, c'est une fraction. C'est une fraction AH sur C0. Ok. Ou A- sur C0. Il a dit AH sur C0, A- c'est C0, 1 moins X. Ok. Donc, je vais le pouvoir tampon. Je vais exprimer en fonction de X. Je vais l'expression de bêta en fonction de X. Je vais vous donner. Qui fait un expérimenter en fonction de H3+. Maintenant, on a le choix pour calculer le pouvoir tampon. Soit tu as le chemin, soit tu as le chemin. Quand tu as le chemin, on a bêta en fonction de X. Ok? Gunna, pour une solution tampon, il y a un H4 plus et un H3. On a le C0, c'est la somme. Les concentrations de la solution tampon, ok. On a x de 2, exemple 2 NH4 plus sur C0. Maintenant, NH4 plus, on a x fois C0, ou NH3, on a 1 moins x fois C0, ok. Maintenant, le pouvoir tampon, t'as l'expression, on a c'est moins DCA sur DPH ou là, plus DCB sur DPH. On va faire ça ou là, kif kif. On va faire moins DCA sur DPH. Ok? DCA sur DPH. On va faire bêta en fonction de X. On va faire X. On va faire moins DCA sur DX. On va faire la DX. On va faire DX. Ok? J'obtiens deux termes. Premier terme, deuxième terme. Le premier terme, deuxième terme. Ok. Hanaya, nous avons le premier terme ou le deuxième terme. Maintenant, nous avons dit x sur dph. Qui va faire le résultat de dx sur dph? Ana, c'est ma ta relation, une équation pH en fonction de x ou les x en fonction de pH. Ana pour une solution tampon pH ou a pKa plus log de 1H3 sur 1H4 plus. Mais d'abord, l'expression de x, x n'jiba, n'jiba,
injecter les deux équations et j'obtiens pH égale pKa plus log directement 1 moins x sur x. Donc un d pH égale pKa plus log 1 moins x sur x. Ndir قبل ما ندير دي بي اش خصني اللوغ نديره نيبيريان الان نرد الان بي كا ا الان 1 موان اكس سور اكس سور الان 10 هادي ايغال 2.3 مادا بي اش ايغال pKa plus 1 sur 2.3 ln 1 moins x sur x. ندخل ندير dpH هذه constante تروح تولي عندي 1 sur 2.3 d ln 1 moins x sur x. OK, وهذه il y a dph égale 1 sur 2, 3. La parenthèse, c'est dln 1 moins x moins dln x. Dph, il y a 1,2,3. Dln x, il y a moins dx sur 1 moins x. OK? Ou ln x, il y a dx sur x. Je le moins. Tous les moins 1 sur 2,3. Dx sur x, 1 moins x. Un archachasne. Un archasne. Dx sur dph. Un archasne. Dx sur dph. Maintenant, j'en ai. Dx sur dph, maintenant dx sur dph, il y a moins 2,3x1 moins x. Ok? Comment mettre le premier terme? Le premier terme en fonction de x, c'est d'ahoua. Ah, le premier terme. Dx sur dph, c'est moins 2,3x fois 1 moins x. Qu'est-ce deuxième terme. Qu'est-ce pour le deuxième terme? Le deuxième terme, c'est dCa sur dx. Problème, mais on dit une équation. La CA, c'est la quantité d'acide fort ajouté. Ça a x bien, c'est une fraction. On a x à bien. dCa, la quantité d'acide fort ajouté. On a chardinder. On a 15 acide fort à une solution tampon. Solution tampon, fait un H3 ou fait un H4 plus un dCa, un acide fort. Acide fort réagit avec NH3. Maintenant, ça sera une réaction. NH3 plus un acide fort sera une protonation pour former NH4 plus, plus H2O. Maintenant, on a une concentration initiale. Chacun a une concentration initiale, on dirait 1 moins x fois C0. On a un dx fois C0. On a chacun des DCA. Quelle est DCA? Bien sûr, on dit un nombre de mol, un volume, un litre, mais il y a un CDCA. Là, à T0, T final, réaction totale, bien sûr, 10 puissance 9,2, 1 sur KA. Là, 1 moins X, C0, bien sûr, on dit une quantité modérée, mais on dit qu'il y a toujours en faible quantité, mais on dit qu'il y a consommant, on a moins DCA. Ou on a formé X, C0 plus DCA. On a choisi la réaction par une exprimée dCa en fonction de la variation de NH3 ou de NH4+. On a connu la variation de NH3+. Chengol, NH3+, c'est la variation de delta NH3+, plus la concentration de NH3+. Il y a NH3+ final moins NH3+ initial. NH3+ final moins NH3+ initial. On a hadi naqas hadi. هذه ناقص هذه تخرج لي موان دي سي ا
كي نقول variation هي دي H3 plus la variation تاع H3 plus معناتها شنو نجم نقول la variation non c'est pas H3 plus c'est 1H3 شنو نقول la variation de 1H3 delta 1H3 هي la variation de 1H3 وهي موان دي سي A معناتها شنو نجم نقول D 1H3 هي موان D C A نجم نكسبريميها بال NH4 بلس فاريياسيون تاع NH4 بلس ديراكتومون فينال ناقص انيسيال هي بلس دي سي A اوكي نقول هذه هي D NH4 بلس نقول هنايا ديراكتومون D NH4 بلس égal moins d 1h3 ou égal d ca. Bon, quand on touche qu'à l'aide le protocole, ça va me toucher à l'aide le protocole. T'achètes trop d'air. Zit acide fort, c'est consommé. La base faible, consommé 1h3. Maintenant, qu'inzit d ca, qu'inzit d ca. Je peux le dire consommer, le 1h3. Maintenant, on va dire moins D1H3. Où est-ce que tu consommes? La réaction va être 1H3. Où est-ce que tu formes? 1H4+. Maintenant, on va dire D1H4+, plus 1H4+, directement. Si tu dis un acide fort, tu passes la base, moins D1H3+, ou tu dis acide conjugué. Ok? Plus D1H3+. Quand on dit DCB, une base forte, l'axe de considérer une base forte, j'en consomme l'acide faible moins djihna ou le plus djihna. Ok? Parce que la base forte de consommer NH4+, maintenant moins D NH4+, on forme NH3 plus D NH3. Donc, la fsagara est fanaya. Hanaya, à l'aide de cette khadma, je vais dire D NH4+ sur DX. Égal moins D1H3 sur DX égale DCA sur DX. Hada ou hada, un dit en fonction de X, Ramala. 1H3, 1H3 en fonction de X, c'est 1 moins X fois c'est 0. 1H4 plus en fonction de X, c'est X fois c'est 0. Maintenant, quand on dérive D1H4 plus sur DX, Hada X, j'ai tous les liens, c'est 0. Hana ou l'hana? On a moins, mais le moins dérivé de Hada par rapport à X. Tous les liens, c'est 0. Hada par rapport à X, c'est 0. Donc, Hada, deuxième terme. Deuxième terme. Donc, on dit. Premier terme, mais le deuxième terme. Alors, on a le premier terme, bêta, gunna. Ah, ou la bêta. Gunna, c'est moins DC A sur dx, dx sur dph. هذا صح الموان ما دخلناش الموان الموان قاعد هنا هذا لقيناه c0 وهذا لقيناه موان 2,3x fois 1 moins x ونخرجنا في une relation موان مع الموان 2,3 c0 x 1 moins x هذا هو البيضة. On va toujours vérifier, ok? Il y a toujours bien l'expression en fonction de x. 2, 3, c'est x, c'est 0, x, 1 moins x, ok? Bon, quand tracé le bêta en fonction de x, j'obtiens parabole. Bêta en fonction de x. Bien sûr, le bêta entre 0 et 1, c'est une fraction. On a x, c'est 1h3. Ou le 1h4 plus sur c0. Ok. Avec c0 ou 1h4 plus 1h3. Maintenant, adigine la courbe de la forme. Parce que il y a 3, 2, c0, x. Moins 3, 2, x au carré. Fois 3,2 c0, ok. Donc, ça semble être la forme. Là, c'est 3
la valeur maximale dans le pouvoir tampon, n'goulou bêta, c'est mon bêta max. Bêta max, c'est dérivé de bêta, dérivé par rapport x égale 0. Maintenant, je vais faire les coordonnées de le point. Maintenant, dérivé de hadaya égale 0, j'ai gêné. J'ai 4,6 à des haut. C'est 0. Allez, vous voulez. Allez, moins. Plus 2,3. C'est 0. Égale 0. Bien sûr, on a x. On a x. Je crois que x égale 0,5. Maintenant, 0,5, le pouvoir tampon compte maximal. Ok? Bien sûr. On a goûté comme on peut le x qui a donné la forme. On a donné la forme 1H3, la fraction de soit 1H4 l'acide sur la somme ou la base sur la somme. Ok? On dit que c'est kif kif. C'est kif kif. Alors kif kif. On peut donner par exemple des valeurs. On peut donner des valeurs. C'est là. Nous avons des valeurs, nous avons 0,6 mol ou 0,4. Ok? La fraction, la somme c'est 1. La somme c'est 1. La fraction est 0,6 sur 1. Ou la fraction est 0,4 sur 1. La fraction x est 0,6. Ou la fraction est 0,4. Ok, on peut comparer 0,4 mais 0,6, fraction 0,4 0,6. Ça veut dire qu'on a le même pouvoir tampon, même valeur de pouvoir tampon. Maintenant, ici, on va calculer injecter 0,6 ou injecter 0,4, on a la même valeur de pouvoir tampon. J'ai 0,4 fois 1 moins 0,4, ça fait 0,4 fois 0,6. Ou quand dire 0,6 fois 1 moins 4, 0,6. Trop, je n'ai toujours 0,6 fois 0,4 ou la 0,4 fois 0,6. Donc j'obtiens la même valeur du pouvoir tampon. On est graphiquement rébain. Donc le même pouvoir tampon, le point 0,6 ou la 0,4, c'est la même chose. Maintenant, qui est ce pouvoir tampon, soit tu dis x. La base sur ces zéros ou la l'acide sur ces zéros, c'est la même chose. Donc, on a le pouvoir tampon en fonction de x.